Et coucou tout le monde. On va être tout gentil, tout calme aujourd'hui. On est encore tôt ce matin. C'est la journée où on va faire quelques petites cartes sur Rising Star. Puisque vous l'avez compris, hier j'ai fait une petite vente sur le jeu. En fait, j'espérais vendre un XP 100. Le tout dernier que j'ai, et en plus en mode légendaire, hein, puisqu'il n'y en a que 100 dans le jeu. Mais je ne l'ai pas vendu. Par contre, je ne vais pas vous dire que je suis déçu. Au contraire, puisque j'ai fait plus de 500 hives en moins d'une journée, et plus de 200 000 Starbits et à peu près 13 Star Pro. Ce qui est une somme quand même assez intéressante, j'ai envie de dire. Surtout que ce sont des cartes que j'en avais pas plus à faire que ça. Je vous montre tout de suite. Alors, ici, vous verrez que la vente a commencé ici. Le 22, le 20, le 5 mars. Avec une carte à 250 hive, c'est-à-dire la XP Boost 50. Après, il y en a des 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. J'en avais 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a une neuvième qui a été vendue, même si elle ne s'affiche pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Bref, on a fait ce qu'on voulait faire, donc on est content. Ensuite, si on va ici sur Hive, on voit que j'ai bien les 200 000. Sachant que j'avais 350 000. Et que donc avec tout ça, j'ai acheté tout un tas de Star Pro qui sont, mais il n'y a rien à dire, hein, ils sont scandaleusement chers. Regardez, token, hey, token, Star Pro, ils sont à 10 balles pièce. C'est juste débile, hein. Je veux bien qu'il ait créé un nouveau truc, mais regardez ça. C'est complètement débile. Moi, j'ai plus l'habitude de le prendre à ce tarif-là, tu vois. Mais là, c'est complètement idiot. Par rapport au prix du Starbit, c'est complètement cinglé. Bref, anyways, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Enfin, si, quelque part, parce que avec chaque fois que je vendais une carte à 50 Hive, ça faisait 6 Star Pro, quoi. Même pas 5. Or, les deux dernières, je les ai vendues à 6,5 en espérant faire un peu plus. Voilà, bref. Donc tout ça pour dire que les 200 000 ne vont pas servir à acheter des Star Pro et un pack de 12 paquets. Non, on va prendre deux fois la dose. Donc deux fois 12 packs. Donc on va commencer. On va faire account by packs. Acheter 12 packs. Hop. Acheter. Confirmer. Ok. Close. Et on va acheter le deuxième après pour être sûr qu'on ait les 24 packs. Parce que j'ai jamais fait, et vous me connaissez, j'aime bien être prudent. Des fois que ça déconne, ça serait dommage. Ensuite, on va aussi faire un petit peu de promoteur. D'accord? Alors, buy packs. Ils sont là. Je vais être sûr qu'il y en ait 12, hein, vous connaissez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yuppie! Alors on va faire les 12 premiers packs. Alors, prêt? C'est parti! On va croiser les doigts pour que la chance fasse qu'on remplace les cartes vendues par des grosses bêtes. Je ne crois pas que je l'avais, donc ça va. Ça fait 1. Maintenant, fait 2. On attend. Et ça fait 3. Je suis pas sûr que je l'avais lui, donc ça va. Et on a quelques nouvelles, hein, ça va déchirer. Ça fait 4. Ah merde, il me semble que je l'ai acheté hier. Je suis pas sûr. On y va. 5. Parce que j'ai tenu promesse, hein, j'ai acheté plein de cartes. Celui-là. Oh, mais la chance continue, mes amis. La chance continue, regardez-moi ça. On a pulsé qui tombe alors que c'est en troisième carte en plus. On continue.
Pocky, hein, on sent l'espagnol, hein, là, quand même. Oh, mais c'est bien, ça! Pourquoi? Parce que deux rames, dont une que j'avais pas. Terence, je l'avais pas. On continue. Ça, c'est plus classique, déjà. Il prend son temps pour charger. J'aime bien l'image ici pour le vintage mic. Classique. Prend son temps, parfois je le connais pas, donc on va dire que c'est un nouveau, cool. RS Lemon 2. Ça veut dire qu'il y avait déjà un RS Lemon 1, ça avant. On connaît son originalité. Mais bon, ça devient difficile au bout d'un moment. Kalimba, j'avais pas. Donc ça c'est bien tout ça. On va pouvoir vraiment commencer à faire la Zika. Il suffit bientôt qu'il débloque des équipes de plus que 5 personnes. Et voilà. Les 12 premiers, eh bien, c'est fait. Et moi je dis que c'est pas mal. Du coup, on va aller à Account, By Cart. Et on se reprend un pack de 12. Bim. Bim. Ok. Boum. Maintenant, on va 2 secondes sur iVengine et on voit que de 1 200 000, on passe à 1 million tout rond. Donc les promesses sont tenues chez Ita. On a bel et bien plus de. On a bien acheté les 2 packs. Alors pendant ce temps, je vais faire un withdraw ici. Donc là, ça va bientôt être 1 210 000 parce qu'on commence déjà à stacker pour le prochain pack, hein, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buy packs. Open. Alors. Miss et Mr. Wolf, je l'avais pas, donc ça va, je suis content. Là, ça va faire beaucoup de doubles. Hein. J'ai hésité à faire les deux séries l'un à côté de l'autre, parce que quand on les fait le même jour, en général, c'est souvent les mêmes cartes qui sortent. On va voir. Là, pour le moment, là, ça rajoute des cartes en plus. Hein. Donc, je suis de toute façon pas déçu. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu mou du cerveau, qui croyait que je râlais sur les doubles parce que j'avais. C'est comme si j'avais pas des cartes en plus et que ça servait à rien. Non. C'est pas ça que je veux dire sur le RNG. C'est qu'au plus, quand on a un nombre de cartes comme ça aussi différent qu'on a pour le moment, c'est pas normal qu'il y ait si souvent les mêmes doubles qui ressortent. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas du tout que les doubles servent à rien. Allez, copains. Goose, j'ai pas. Donc on aura pas mal de nouvelles cartes aussi encore aujourd'hui. Ça c'est exactement le double, mais les trois quoi, qu'il y a deux tirages, donc c'est pas normal. Hein. Mais c'est pas grave, on est content, on a même fait plusieurs fois yay. Peut-être encore une fois, hein? Samantha, je connais pas non plus. Newenskit. Oh punaise! The Crow, je l'ai pas. Et en plus, c'est une épique qui arrive sur un rare que je n'ai pas. Que devant le peuple. On est content, hein? On est vraiment content. Et c'était le dernier pack. Alors, je tiens encore à préciser ici qu'on est bien monté à 24 Star Pro. Ça fait 240 hive, rien que là. 240 hive, rien que là. Donc moi je dis que j'investis dans le jeu, hein, les gens. Hein, donc on vient de lâcher 350 000 hier et aujourd'hui, plus 250 live dans, hive dans le jeu. Moi je trouve que on a de la chance. Hein, il faut pas nier. On a de la chance, mais on la cherche la chance aussi. On a pas mal investi. Et on continue à investir. Et je tiens à dire aussi que, on vient de démontrer que Itara, quand il dit quelque chose, eh ben, il le fait. Hein. Parce que je sais qu'il y en a certains qui avaient peur que l'argent qui tombe aille ailleurs que dans le jeu. Oui, mais comme promis, il y a énormément qui a été réinvesti dans le jeu. Alors, je recours. Voilà, en plus que 1 à attendre, et comme ça j'ai les chiffres, hein, comme ça vous pouvez voir. Aïe. Ah, il va nous faire chier pour le dernier, tu vas voir. Allez!
Ah ben pendant ce temps, je vais faire le musique promoteur. Parce que j'avais dit que j'allais le faire. Aujourd'hui, on va pas faire beaucoup parce que j'ai que 3000. Mais comme ça, vous voyez ce que je fais pour le musique promoteur. Quand il veut bien. Voilà. Ça prend toujours une dizaine de secondes à loader. C'est déjà mieux qu'avant. Avant, ça prenait plusieurs minutes. Hein. Et vous allez voir que c'est Wellington. Il est toujours là, lui. On parie? Wellington, voilà. Ah, il est toujours là. Alors, on commence par déposer 1000 starbits. Encore 1000. Et un dernier. Ce qui nous fait 3000. Ça va pas faire beaucoup, hein, mais c'est toujours ça de prix. Et ensuite, je clique sur chacun. Voilà. Hop, 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 hop. Hop. Hop, hop, hop. Parce que j'ai pas de préférence sur les musiques. Hein, je m'en contre-tape. Moi, mon but, c'est juste de transformer les petits dons de 151 bits que je fais en Star Pro. Alors, on ne sait jamais à l'avance combien de Star Pro on va recevoir. Ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Au bout d'un moment, vers 1 h du matin, je crois, ça va reset et ma code-part sera pris en compte. Évidemment, ici, les starbits, c'est ceux qui sont là, hein, là en haut. Donc là, on les voit plus, mes starbits, ils vont se faire bouffer. Une fois qu'il y a quelqu'un qui finit une mission, ben, on voit que c'est moi qui l'ai, entre guillemets, promu. Hein, bim, bim, bim. Là, en contrepartie, ça diminue. Et là, en bas, ça va commencer à monter. Avec 3000 starbits, je ne crois pas que je fais un dixième de Star Pro. Mais c'est comme ça, en même temps, je vous montrerai. D'habitude, quand je le fais, c'est plusieurs milliers que j'y vais, histoire d'approcher un Star Pro ou à peu près. Et ensuite, avec ça, ce que je fais, c'est ici, dans Spécial Mission, je fais les promos de Fan Club et aussi les Festival Tours. Même si les festivals, j'avoue que vous connaissez ma technique, j'en fais 4 de chaque. Voyez, là, on voit plus que 2 parce que c'est en Europe, j'ai déjà fait 2 fois blending. Mais ici, vous allez voir, je vais en avoir 4 de chaque. Le but, c'est d'avoir une spare card, un bracelet, un membre du groupe de chaque et le groupe au complet en plus du membre de chaque. C'est pour ça que j'en ai besoin de 4. Je pourrais limiter à 3, mais on va dire que c'est si jamais j'ai un problème. Alors, account, toutes les cartes sont là. On peut générer la recréation du deck. Vous allez voir un pop-up. Voilà, là, il calcule toutes mes cartes. Et ça va aussi très vite par rapport au début du jeu. Et donc, maintenant, on est à passer 1836 cartes. Alors qu'avant la vente, j'étais à peu près 100 cartes en dessous, à 1740, quelque chose comme ça. Donc là aussi, on a pris un maximum de nouvelles cartes. Alors, dans le ranking, de 48, je suis passé à 44. Voilà. Donc je suis nouveau à 27 centimes par jour de Hive. Et on va continuer à faire ça. On va encore essayer de vendre un petit peu d'autres cartes. Vous voyez, on est passé à 456 cartes uniques. Parce que j'utilise en fait le petit site créé par Foxon. Non seulement pour voir les ventes, mais aussi pour quand j'achète, je veux prendre des nouvelles cartes uniques. Je regarde les moins chères du moment, soit en Starbit, soit en Star Pro, soit en Hive. Par contre, Wax, j'y vais pas. Une blockchain qui me demande de payer pour aller sur la blockchain, c'est non. Je fais pas. Voilà. Mais vous voyez qu'elle commence déjà de nouveau à être chère. Donc je vais devoir un peu attendre. Parce que 2 swap Hive minimum pour une carte ou en Starbit on est à 5000. Ça commence à être un petit peu chéro. Mais bon, on a ce qu'on veut. Hein. On a ce qu'on a demandé. Donc je vais pas me plaindre. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Alors, cet après-midi de 16h à 20h. On va partir sur du Worms sur notre chaîne Twitch. On n'est pas sur Rising Star comme giveaway parce qu'on n'offre pas des cartes comme ça. Nous, ce qu'on offre, c'est encore mieux. C'est les écus. Les écus, c'est une token Thrive Engine qui est toujours liée à un HBD. Donc, on ne se demande pas que vaut un écu vaut un HBD. C'est aussi simple que ça. Et avec ça, vous pouvez acheter des cartes Rising Star
où ce que vous voulez. Voilà. Et c'est pour ça qu'on n'est pas repris dans les streamers là-bas. Parce qu'il y a aussi le où ce que vous voulez à la fin. Et ouais, c'est comme ça. Mais de toute façon, on s'en fout. Nous, on a notre programme qui tourne. Pas besoin de faire du giveaway pour attirer des gens. C'est méchant ce que je viens de dire. Voilà. Bref. Eh ben, je crois qu'on a fini. Il reste 40 minutes avant que je doive recommencer une leçon. Je vous dis à bientôt dès qu'on a de nouveau un petit pactole de 200 000 Starbits et on fera la comme d'habitude la moitié vers les cartes et l'autre moitié vers les Star Pro. À plus tout le monde. Ciao.